Noël 2020 sera spirituel ou ne sera pas. C'est l'aphorisme que j'ai glissé à M. Emmanuel Macron pour son mardi Macron du mardi 24 novembre 2020. Ce sera même sa conclusion, sauf naturellement s'il préfère, à la dernière minute, se laisser influencer par Aurélien Pradié ou un autre du même niveau. Explication générale de ce grand jour, un mois avant le 24 décembre. Hashtag. Mardi Macron, prochain épisode, mardi 24 novembre à 20h, où le président Emmanuel Macron donnera les règles du grand jeu de Noël 2020. Mesure la plus symbolique, le vieux Père Noël sera remplacé par le fils Emmanuel, le 24 décembre 2020, où il officiera à 20h dans chaque écran des foyers. Le père passé par la cheminée, le fils est cathodique et numérique, et déposera ce qu'il annoncera comme des cadeaux de la République dite En Marche. Ambulator nascitur non fit, écrivait Henri-David Thoreau dans son Marché, ce qui signifie, comme le confirmerait sûrement le spécialiste du latin, M. Jean Castex, on est marcheur, on ne le devient pas. Oui, c'est une de ces phrases latines bidons qu'on peut retourner avec la même cohérence. Et en conclusion, M. Emmanuel Macron nous offrira cet aphorisme. Noël 2020 sera spirituel ou ne sera pas. Ce sera la petite phrase à méditer devant votre écran. Le vieux Noël sera remplacé par le fils Emmanuel. Oui, c'est vraiment la France qui change. Sauf à Montcuq, ou qui bénéficie d'un statut particulier dans la République, puisque la commune dite nouvelle semble autorisée à s'opposer à toute liberté d'expression. Ainsi, à Montcuq en Cubée, officiera M. Patrice Caumont, qui a déjà répété son discours. Je vous donne en exclusivité un passage capté par Cahors TV. Tout va bien pour le moment. On s'est engagé à bien gérer cette commune. Je crois qu'on y arrive. Et je pense que vous pouvez être serein pour les temps à venir. Oui. On s'autorise, naturellement ce n'est pas repris par leur dépêche ni leur envie kersinoise, à lui trouver un petit air de Jean Castex selon les mauvais esprits du Quercy, ou c'est le contraire. Hashtag mardi Macron, mardi 24 novembre, et oui, c'est dans un mois, le retour au Noël spirituel avec le fils Emmanuel remplaçant le père Noël. Démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.